Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor Orotrae PA, Yopter et Nerypse à feu contre Zobal, Xelor et Caflip. Et on a des cotes de 4281, pas de cote et pas de cote. Bon, on est dans une optique hyper agressive avec un Yop full dégâts, on connaît. Qu'est-ce qu'on a en face? Jahash sur le Xel, ouh, ça me plaît ça. Xelor Aurore Pourpre, ça va peut-être tenter de faire un truc au glas, peut-être T2. Ok, Crocobur, ouais, il y a Jahash Crocobur sur le Xel. Bon, si je le touche, il est mort, hein. Ça va être aussi simple que ça. Problème étant qu'il va jouer avant moi au T2. Donc on va voir comment on peut s'en sortir. Je vais me poser ma synchro ici. Ça peut lui faire un pivot de TP, c'est peut-être un peu risqué, mais c'est pas grave. Je vais y aller comme ça, poser ça ici. On va faire un flou. Je vais poser ma prémo là. Hop. Bon, je joue après lui, donc en termes d'initiative, c'est pas mal. Ah, j'aurais limite. Ah, j'aurais peut-être dû lâcher le compte maintenant, ouais, je suis un peu bête. Pour qu'il se prenne masse dégâts au cac. Après, j'avais pas la zone compte sur tout le monde, mais j'aurais dû le mettre sur le Yop parce que le Yop c'est une chips. Après, bon, je vais le laisser un peu en retrait. Et là, ça va vraiment être à qui tape le premier, quoi. Ok, ça y va sur le cadran. C'est pas bête. Alors moi avec le Yop, je dois me booster Divine, Puissance, AQ, Maîtrise d'armes. On va venir un peu en retrait. Donc là l'idée c'est de pouvoir taper T2 avec mon Yop. Est-ce que je vais y arriver? Je regarde un peu les modes. A priori je peux tuer n'importe qui. Le Zobal, ils vont peut-être venir tuer le cadran. Hein. Ah, c'est sad. Ah, ça passe pas. Le crit. Oh, aïe, 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 c'est la sauce. C'est la giga sauce. J'aurais peut-être pas dû exposer le cadran autant. C'est assez rare que je me fasse punir comme ça. On va y aller comme ça. Je vais lui mettre des PM au Yop quand même. Ah, je fais un peu nimp là. Est-ce que je m'avance? C'est que c'est un Xel en face quoi. En vrai je vais avancer avec Lily. C'est le plus solide de ma team. Là il repart en arrière avec sa prémo. 19 PA. On va voir ce qu'il nous met. Hein. Clipside. Ou alors il prépare un T3, c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un T3, mais c'est T2 qu'on va jouer. Hein. J'ai pas vu de nébuleux. Alors ça c'est un peu bizarre. On va peut-être pouvoir y aller sur le Zobal éventuellement. J'ai pas trop compris son move là. Parce que là pour moi ça va être tech. Je me mets un compte sur mon Xel, histoire de. Il a un retour d'odorat, ok. Mais là, le Zobal est pas bien. S'il y va sur mon Xel. Bon, le Xel peut prendre la sauce en vrai. Mais là, mon Yop, il va avoir la belle vie quand même. Bon, j'ai perdu les 2 PA du cadran, c'est un peu triste. Mais j'ai quand même. Bon, voilà, là, j'ai 16. Genre, l'apprécie aussi. Est-ce qu'il rush? On a 38% de reste sur le Zobal, il a pas posé de grimace. Il a quand même pas beaucoup de PA, donc il va pouvoir me casser Ocre et Vulbis avec des feulements peut-être ou des trucs comme ça. Non, contre-coup. 2000 PV. Est-ce que je passe le kill? Je vais avoir confiance dans mes dégâts. Hein. C'est trop souvent que. Là, j'ai une pression. Faut que je surveille surtout les ivoires. C'est dans 3 attaques là. En soi, je vais concentration. Concentration, coup de cac. Je vais faire confiance à mes dégâts. L'apprécie.
Et là j'ai encore accumulation. Ouais, je suis giga large. Hein. C'est. J'ai même pas besoin de précis en fait. A chaque fois je précise et j'ai pas besoin. J'ai trop de rocks. Je vais me vita dans le doute. Parce que quand même. Et je vais m'approcher mais pas trop m'exposer. J'avais largement les dégâts. Pourtant il avait le contre-coup il avait le contre-coup de l'Eka et 38% raise. Je vais aller comme ça. Hop, on va venir taper le chaton. Qui prend tout ce qu'il mérite. Je vais venir pousser la roulette. Là, on va y aller à fond sur les cas. J'ai pas fait ma maîtrise d'armes. NP, c'est fine. Ok, des beaux dégâts qui passent. Je suis quand même curieux de voir ce que va mettre Song Zell. Limite, je suis content qu'il puisse jouer, comme ça on va voir. Son mode Jahash Crocobure. Il y a peut-être moyen que je pète le Yop. Ou alors s'il va sur Mang Zell, j'ai le contre encore là. Il va se bouffer le contre à 100%. Ça risque il risque de le sentir en plus avec sa Jahash. Ok, ça fait ses moves de Xel. Bon, je vais me prendre un glas assez vénère, je pense, mais à part ça. Pour l'instant, c'est pas très violent. Alors, les dégâts du contre ne proc pas la Jahash, apparemment, ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Bon, j'ai pris cher, mais ça va, j'ai vu pire. Il repart là. On va y aller comme ça. Je vais all-in les K-flip, hein, je pense. Que je pétrife. Une pétrife. Je vais go comme ça, je pense. Hop là, j'aurais pu mettre une prémo. J'ai hésité à faire horloge ralentissement dans l'autre sens, hein, ce qui m'aurait fait plus de vol de vie sur l'horloge en tapant le ralentissement dans les points de bouclier. Mais j'ai pas eu le temps de check l'ivoire. On en revient à ce que je disais dans ma vidéo améliorée de fût, c'est que les infos sont trop difficiles à aller chercher et sur des tours qui se jouent un peu vite comme ça, c'est compliqué. Par contre, là, je sais pas s'il sait, mais le bon in, il est mort. Hein. Même le Yop en vrai. Bon, j'ai le retour de précis. C'est vraiment dommage que j'ai précis avant. Il n'y a pas d'ivoire sur son bordel là. Mais il est au courant qu'avec sa GH, il va prendre des coups de Yoyette à 3000 ou pas? Parce que quand même. C'est dangereux de jouer en GH comme ça, sans y voir qui plus est. Là, je crois que c'est un stomp. Hein. Quoi, si c'en est pas un, ça y ressemble beaucoup. J'ai pas moyen de lui déloc. Ouais, je pense que je peux déloc. C'est combien? C'est 4 PA, ça. Ça m'embête de casser. Non, ça, c'est moins de PA, ça. On va go tranquillement alternatif. On va rebooster le Yop. Ah, j'aurais pu m'avancer un peu plus avec le ralliement et lui mettre plus de dégâts. J'aurais pu mieux jouer. Bon, mon Xel, il est un peu au bout du monde. Après, un rollback. Non, je reviens pas du tout avec un rollback. Je peux rollback quand même, ça le rapproche un peu. Alors, ouais, le problème que j'ai là. Le problème que j'ai, c'est effectivement que j'ai pas de téléfrag. On va y aller comme ça. Ok, bon, le tour, il est un peu naze, je reconnais, je plaide coupable. Ah! Je l'avais! Je passais le kill en plus, je crois. 4 PA. Ah, je crois que je le... Ouais, je vais le tuer. J'ai trouvé le tour, mais un peu tard, malheureusement. Bon, est-ce que ça change le colis? Je suis pas sûr. Bon, j'avais peur des dégâts que j'allais prendre, finalement, je suis pas sûr que ce soit moi qui ai le plus subi dans cette histoire. Est-ce que tu manques alors pour l'honneur? Les destins qui tabassent. Allez, l'honneur est sauf. GG à lui. Oh, les petits coups du Yet à 3000, là, je vous avouerai que ça m'a mis très 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 bien. C'était un régal. Bon, petit colis express, 4 tours, la classique.
On passe à 4300 de cotes. Bon, je vais bientôt être classé sur Yopeni, hein. Pour l'instant, je suis encore dans les matchs de placement. Écoutez, j'espère que ce petit Coliseum explosif vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.